Au grand mot, maître Scott. Ah oui, oui, c'est bien ce que je disais, au mal de dos. Ah! Mamboulie, vous vouliez le faire, maître Scott. Mamboulie, mais non, je voulais vous ranimer, Mamboulie. Bidule. Oh, maître Piotr, votre fils mange toutes mes frites. Oh, Bidule. Oh. Et cesse de manger les chenilles de France. Ça arrive. Oui, les chenilles, oui. Et puis tu... Ah, ben, nous allons voir. Nous allons bien voir. Attends, tu fais rien. Mettre un pied sur votre pantalon. Qu'est-ce qu'il a, mon pantalon? Qu'est-ce qu'il a, mon pantalon? Il n'a plus rien. Hein? Il tombe. Les bidules, il va tout manger, mes frites. Oui, mais pour la dernière fois, bidule, je... Oh, mais c'est une honte. J'avais un garçon livreur qui n'a pas voulu s'instruire et qui m'a fait en honte toute sa vie durant. Maintenant, j'ai un garçon au chenille. C'est intolérable. Absolument intolérable. Et mes cerises, maître Piotr, mes cerises. Au diable, vos filles, ma mouille. Ça arrive. Qu'il sourit. Ah, oh, ben s'il sourit, c'est qu'il dort. Tu savais pas ça, toi, tu dis que quand on dormait, on souriait. Ah non, parce que mon papa, quand il dort, il ronfle. Ah, oh, ben c'est qu'il ne dort pas, sûrement. Ah. Oh, si on le mettait dans la boîte. Dans la boîte. Attention!
Quoi? Les bébés. Qu'est-ce que tu en dis, Clarinette? J'ai une bien meilleure idée. Ah. Attendez. Qu'est-ce que tu penses que c'est ton idée? Je ne sais pas. Regardez. Qu'est-ce que c'est? C'est le manuel de Bidule. Le manuel du parfait livreur. Oh, il y a quelque chose écrit là-dedans? Tous les secrets de livreur, Mamouline. Ce sont des secrets. Oh, et toi? Ah, ben moi, c'est pas la même chose. Bidule m'a donné la permission. Oh, la permission de Bidule, hein? Bidule te donne des permissions, tu ne donnes même pas un seul qu'il te livre. Ah, et ben puisque c'est comme ça, qu'il crève dans sa boîte, comme une chenille. Les gras. Dame, qu'est-ce que c'est que ce mot-là, cette idée? Encore l'hémorragie. Faire un tour nickel. Mais c'est pas ça, voyons, Clarinette. Continue, numéro 2, numéro 2. Ici, c'est si le blessé a mal au dos. Mais non, c'est pas ça, Clarinette, mais il a pas mal au dos. Ah oui, c'est vrai. Numéro 3. Un cas d'amnésie. En cas de perte de mémoire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Attends, c'est dans ton... Soumettre le malade à un nouveau choc. Soumettre le malade à un nouveau choc. Voilà, c'est plus compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Farinette, soumettre le malade à un nouveau choc? Un choc. Je ne sais pas ce que c'est, un choc. Suis-moi, je vais te le montrer. Un nouveau choc, c'est bien. C'est ça, un choc. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça qu'on va voir si tu es réveillé. Non. Oh là là. Puis donc encore. Je voudrais trouver une autre façon de le réveiller. Laisse-moi réfléchir une autre façon. De le réveiller. Je sais, ça rien de tel. La fanfare. C'est une bonne idée. Oui. Allons-y. On essaie encore de nouveau.